pour moi, c'est la paire de chaussures que tu vas venir associer à tous tes autres vêtements. Ça va être le chef d'orchestre de ta tenue. Donc, j'ai pris toutes tes chaussures et on va voir celles que tu veux mettre pour la rentrée. Alors, moi, j'avais pensé en premier à celle-ci. Ta petite paire de golf le fleur rose One Star. Pourquoi? Parce que elle est simple. Il y a deux couleurs. Donc, facile de faire une tenue avec. En plus de ça, elle n'est pas trop bling bling, j'ai envie de dire, avec plein de couleurs, etc. Donc, tu vas pas te faire remarquer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça négatif de vouloir s'habiller comme une star ou je ne sais quoi au début de l'année. Et en plus, pour les fins connaisseurs, ils verront que c'est quand même une paire qui a un petit peu de rareté, voilà, dans le monde de la sneaker tout simplement. Et pour les gens normaux, entre guillemets, ceux qui s'intéressent pas aux chaussures, tu auras une chaussure rose assez classique, stylée. Voilà, j'avais pensé à ça en premier. Pas de rose, tu kiffes pas trop au niveau des chaussures. Ok, pas pour la rentrée chez moi. Ok, sinon on peut continuer sur Golf le Fleur avec ta Golf le Fleur bleu en cuir. Donc là, pareil, assez simple, trois couleurs: blanc, bleu, navy, bleu marine, peu importe, et un peu différent. Donc quatre couleurs, excuse-moi. Pareil, hyper assez simple, mais un petit peu plus complexe. On a du jeu de matière, de la superposition, etc. Même principe pour les personnes qui s'intéressent pas trop à la sneakers. C'est une belle chaussure, voilà. En plus de ça, pour ceux qui connaissent, ils vont voir que c'est du golf le fleur, etc. On reste dans, comment dire, l'été avec la petite fleur. En plus, il va faire beau pour la rentrée, donc c'est cool. Et du bleu, voilà. Normalement, il y aura un beau ciel bleu dégagé, donc tu seras matché avec le ciel. Tu as un truc un peu plus, comment dire, remarquable que tout le monde connaît. Ok, bah dans ce cas-là, on va direct aller dans tes Jordan One. On peut prendre celle-ci, la Dark Mocha. Ouais. Bon, après, c'est pas trop les couleurs. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ça reste une belle paire, assez connue. Je pense que vraiment, si tu la mets quasiment toute l'école, va connaître la paire un peu. Ça pourrait être pas mal, ouais, on est d'accord. Bah sinon, une de tes G1 qui va bien aller avec la saison, etc. Ta G1 Château Rouge, tout simplement, avec beaucoup de couleurs claires, le bleu, le beige, le jaune, un petit peu de blanc, etc. Et ce qui est bien avec cette paire, c'est que t'as plein de couleurs, plein de matières, etc. Donc, niveau choix de tenue, c'est très large. Ouais. En plus, c'est une belle paire. C'est une G1, donc tout le monde connaît à peu près ce modèle-là. Et pour les plus fins connaisseurs, ils vont voir la Château Rouge, qui est un modèle un peu réputé quand même, qui a une belle cote, j'ai envie de dire. On part sur ça. On part sur ça. Ok. Alors, c'est parti. Ensuite, on va avoir la deuxième pièce la plus importante, je pense. Les pantalons. Enfin, le pantalon. Donc, sur ta Jordan Maison Château Rouge, des couleurs assez claires, etc. Il y a du blanc. On peut partir sur quelque chose de sobre, avec un pantalon classique blanc, avec un petit peu de, comment dire, de jeu, j'ai envie de dire. Donc t'as des petits accessoires avec cette languette juste là, des poches à l'arrière, sur le côté droit, des poches juste ici, ça, le carpenter pant. Non, ok. Ouais, des fois au feeling, tu sens pas le truc, tu sens pas, faut pas chercher à comprendre. Ok, sinon restons du blanc. Pantalon velours blanc classique de chez Classique. Tu sais, sur la Jordan Maison Château Rouge, t'as des petites vagues sur le marron. Le velours côtelé vient rappeler un petit peu ces petites vagues, ce jeu de matière. Moi j'aime plutôt pas mal. Pas de blanc. On évite le blanc. Ok. Ouais, c'est ça, lisant. Ok, tu préfères garder ça quand t'es sûr de pas salir. Ok. D'accord. Sinon, même principe que le pantalon juste avant, mais on change de couleur.
Marron, bleu foncé, enfin t'as tout
une sorte de maille en laine, comme tu peux le voir. Donc, avec ce t-shirt, cette veste, je ne sais pas comment on appelle ça, le mieux c'est garder fermé quand même, je pense. Après, tu peux l'ouvrir. Et on peut mettre un t-shirt blanc uni en dessous. Voilà, tout blanc en dessous. Comme ça, on ne verra pas ton corps, tout simplement. Parce que sinon, je pense que tu peux te faire choper par le CPE. Parce que là, on voit à travers. Donc, vraiment, un petit t-shirt tout blanc uni en dessous. Et c'est parfait. Tu as toutes les couleurs de la paire. Ça ira aussi avec le pantalon, avec ce bleu clair, etc. Vraiment magnifique. Et en plus, ça fait bien été, je trouve. Voilà. Et on est encore dans le thème. On part sur ça.